Je vous offre aujourd'hui ce que tout le monde en parle. Normalement, cette formation devrait coûter des milliers d'euros. Mais dans cette vidéo, je vous offre gratuitement. Oui, vous avez mérité parce que vous faites partie de cette communauté Levis Ebouma 7. Dans cette formation Honor que je vous partage gratuitement, on va voir ensemble comment faire de l'affiliation Amazon de A à Z en 4 étapes. Dans la première partie de cette formation, on va faire l'analyse des produits qui se vendent mieux sur Amazon. Tout ça ensemble avec vous. Dans la deuxième partie de cette formation, on va voir ensemble comment créer un site WordPress et pour ce faire, on va trouver un hébergeur et on va réserver un nom de domaine. Une fois c'est bon, on va installer un thème et rédiger les articles. Dans la troisième partie de cette formation, on va voir ensemble comment participer au programme Club Partenaire Amazon et comment faire l'inscription étape par étape pour ne pas faire des erreurs. Et dans la quatrième partie de cette formation, on va voir ensemble comment personnaliser notre site, comment téléverser les images sur notre site, comment récupérer les liens personnalisés chez Amazon et tout ça si vous êtes motivé pour réussir sur Amazon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Levis Ebouma, entrepreneur sur internet depuis quelques temps. Et dans cette chaîne Levis Ebouma 7, je partage toutes les astuces qui fonctionnent pour moi à gagner de l'argent sur internet et en fait aider les autres. Si vous venez de me découvrir, alors abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être notifié à la prochaine vidéo. Bon visionnage. Donc ici de la barre de recherche, moi ce que je dois faire, je dois tout simplement taper amazon.fr. Donc c'est déjà là Amazon Entreprise, je fais entrer. Ici amazon.fr, on va cliquer là. Ici, la première des choses, d'abord on va d'abord chercher les produits qui se vendent mieux sur Amazon. Il faut mettre un nom de domaine du produit que tu vas vendre. C'est vraiment important parce que dans le référencement SEO, ça compte énormément. Respectez ce que je vais vous montrer. Si vous voulez réussir avec l'affiliation Amazon, on va venir ici dans meilleure vente. Ici, je dois cliquer là. Après avoir cliqué sur meilleure vente, je dois maintenant cliquer ici sur cuisine et maison parce que ce sont les produits qui se vendent mieux. On va maintenant cliquer d'abord pour voir les statistiques des produits. Je dois cliquer là parce que je dois vendre certainement le produit là. Ok, je dois cliquer ici. Des machines à café, on a nombré ici. Ça, la machine là par exemple, ça coûte 449 euros. Ok, donc c'est à peu près 450 euros. Donc on va trouver une machine qui est mieux. Comme ici, je vois déjà c'est machine à café. On va cliquer là. On va maintenant aller réserver un nom de domaine d'une machine à café. On va copier. Machine à café. Machine à café. On va faire un clic droit. On va le copier. Donc, on va ouvrir notre navigateur ici. Et on va taper dans la barre de recherche AA hébergement. Donc, c'est un hébergeur qui coûte pas cher. Je vous recommande vivement. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en description de cette vidéo. Je dois maintenant cliquer sur AA hébergement ici pour aller commander les noms des domaines. Nous, on va vendre la machine là. Donc, on va vendre la machine à café. Ok. Ici, maintenant, on va d'abord essayer d'abord de chercher machine à café comme ça. On va d'abord voir si les noms sont disponibles. Machine à café déjà pris, non disponible, non disponible, non disponible. Parce que ça veut dire que non, il y a des gens qui ont déjà réservé ce nom de domaine. Donc ça ne nous appartient plus. On va ajouter quelques mots ou soit meilleure machine à café. Je dois écrire meilleure machine à café. Meilleure machine à café est disponible et coûte déjà 6,99 euros par an. En tout cas, si on fait les calculs, c'est pas vraiment cher. Donc je vous recommande des domaines. On va maintenant ajouter au panier, on va acheter ces noms de domaines. Alors pour ce faire, je dois venir ici cliquer sur ajouter ici, je dois cliquer là. Donc je dois maintenant continuer ma commande, je dois cliquer ici continuer ma commande, je clique là. Ok, hébergement cPanel, le meilleur pour débuter. 100 gigas d'espace web, 15 adresses email personnalisées, auto-installeur, Softaculous, des bases de données, PHP, un domaine offerte. Donc on va choisir là et on voit que non, ça coûte 11,40 euros. Donc on va appuyer sur continuer ma commande. On va cliquer là. Voilà, ici ne touchez à rien. Ici ne touchez à rien. Donc ici ce que vous faites maintenant, c'est cliquer sur continuer ma commande. Si vous n'êtes pas un client, vous allez cliquer sur non et vous allez maintenant fournir vos identifiants. Type de client, un particulier, nom, prénom, adresse,
code postal, vous allez remplir vos informations personnelles, ok, comme écrit dans votre carte d'identité, et y compris votre numéro de téléphone avec votre pays de résidence. Donc moi j'ai déjà un compte parce que je suis déjà client avec AA Hébergement. Je dois cliquer sur oui. Voilà, ici maintenant je dois remplir mes informations pour payer. Ici je dois prendre mes informations. Là je prends mes identifiants clients. Je reviens ici, je dois le coller ici. Pour me connecter, je reviens encore ici, je prends le mot de passe. Voilà. Et je viens me connecter à mon compte AA Hébergement. Ok. Ici, on vous demande, choisissez votre moyen de paiement. Si vous voulez payer par carte Visa ou compte bancaire, ça dépendra de vous. Bon, moi, dans mon cas, je dois payer par PayPal. Si vous voulez payer par Visa, vous allez cocher payer par Visa. Bon, moi, je dois payer par... Je dois maintenant cocher payer par PayPal. Je dois cocher là. Payer par PayPal ici. Je dois cocher là pour payer avec PayPal. On attend quelques secondes. Voilà, ici maintenant je suis dans mon compte PayPal. Je dois maintenant accepter et payer ici. Donc je dois maintenant appuyer sur accepter et payer. Donc ça va me coûter 11,40 €. Donc si on fait le calcul avec les francs CFA, ça va faire de 8000 francs CFA comme ça. Voilà. On attend quelques secondes pour que les traitements puissent s'effectuer avec succès. Ok, merci pour votre commande. Vous recevrez prochainement un email contenant les différents accès aux services que vous avez commandés. Important pour bien recevoir vos paramètres par email. Afin de recevoir correctement les emails de la société Ligne Web Service qui contient toutes les informations nécessaires pour votre nom de domaine, bien évidemment. Donc, ici maintenant, on va aller retour sur le site. Ok. Donc vous voyez que non, maintenant les sites internet c'est pas moins cher comme avant. Avec 8000 francs CFA, tu peux créer ton site internet. On va patienter pendant les 24 heures. Si vous voyez même bien ici, ici déjà notre facture est déjà là. C'est juste un document qui va prouver que non, votre achat est effectué avec succès. Hein. Donc c'est pas vraiment grand chose. Mais ils sont quand même organisés hein, à Hébergement. Tout est vraiment en place. Et je vous recommande vraiment, si vous voulez commander un nom de domaine ou une adresse mail professionnelle, je vous mettrai les liens en bas de cette vidéo et ça va vraiment vous aider. Puis ça coûte pas cher. Ça c'est le récit hein. Ça c'est le récit. Comme j'ai acheté par PayPal, déjà notre nom de domaine est déjà prêt. On nous a envoyé quelques détails ici. Dans le cadre d'une procédure obligatoire, nous devons effectuer une vérification de la validité de votre adresse email afin de pouvoir vous joindre en cas de problème. Vous recevrez ce message car vous êtes le propriétaire actuel des domaines suivants, machineacafe.com. Vous voyez, ça c'est maintenant notre domaine qu'on a acheté. Ok, pour confirmer votre adresse email, merci de cliquer sur les liens suivants. On va cliquer ici pour confirmer qu'on a bel et bien reçu l'email à la part des AA Hébergement. Ok, on va cliquer là. Voilà, votre email Levis Ebouma a été validé. Félicitations, votre nom de domaine a été créé par LWS. Voilà, bien débité. Si vous êtes le propriétaire des domaines, découvrez ici les multiples possibilités qui s'offrent à vous dès maintenant. Donc, on va maintenant cliquer sur découvrir ici. Ok, ici on vous donnera des détails, comment ça fonctionne, comment vous allez vous connecter avec votre compte. Donc on vous donne des étapes, comment vous allez faire pour vous connecter avec votre compte. Ok, rendez-vous sur la page de connexion à AWS panel. Donc je dois cliquer là. Identifiant, je dois vous montrer. Et vous allez maintenant mettre vos identifiants. Ok, là moi je dois mettre mes identifiants, je dois les copier. Je dois mettre ça ici dans l'espace client. Et j'ai arrivé encore ici pour prendre le mot de passe et générer. Ça, c'est un mot de passe personnel. Hein. Je prends, je copie et je reviens ici. Et je dois maintenant le mettre ici dans l'onglet mot de passe. On attend quelques secondes. Et voilà. Là, maintenant, je suis maintenant dans mon espace client. Vous voyez que j'avais déjà acheté un nom de domaine amazonfaireareparcer.com. Vous allez maintenant cliquer sur l'onglet gérer. Vous allez cliquer là.
Ok, vous voyez maintenant ici, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Le domaine n'est pas encore actif. Patientez de 6h à 24h. Vous devez d'abord confirmer l'adresse email pour confirmer que c'est bien vous le propriétaire de votre domaine. Et en attendant, on va attendre les 24h. Une fois que votre domaine est prêt, vous allez prendre votre nom de domaine là, votre site. On va le copier, on va le coller dans une nouvelle onglet. Et on va faire entrer. Ok, par ici maintenant, ce que vous allez faire maintenant, c'est de cliquer sur découvrir ici dans bien débiter. On va cliquer sur découvrir. Voilà, ici maintenant, vous allez maintenant cliquer sur tiens ici. Une fois ici, vous allez vous connecter avec votre identifiant. Ce que vous avez à faire, c'est de prendre ces informations là et venir vous connecter ici. Moi, dans mon cas, je dois prendre mes informations ici. Je prends le nom du compte, je viens ici, je dois les mettre dans client ici. Je reviens sur mon email, ça c'est mon code. Et je reviens ici dans panel, ici je dois mettre le mot de passe ici. Je dois cocher que je ne suis pas un robot et après je dois appuyer sur connexion ici pour me connecter. Vous voyez que non, je me suis déjà connecté avec LWS Panel. Comme le nom de domaine qu'on avait déjà acheté, c'est machineacafé.com. Donc maintenant, vous allez cliquer sur gérer. Après avoir cliqué sur gérer, vous allez maintenant cliquer sur accès à ces panels. Vous allez descendre en bas ici. Et là maintenant, on va cliquer sur WordPress Manager by Softakilus. On va cliquer là. Ici maintenant, on est dans tableau de bord WordPress. Alors pour commencer d'abord, on va d'abord installer. Et là, je clique sur installer. Vous voyez que l'adresse d'installation est là, https://machineacafé.com. Ça, c'est l'adresse de ton site internet. On va descendre dans les paramètres. Ici, vous voyez que le nom du site. Ici, je dois enlever my blog. Je dois écrire ma machine à café. Le nom du site, c'est tout simplement le nom que les internautes vont taper, comme ici, ma machine à café. Et le mot de passe, vous pouvez choisir un mot de passe, mais vous pouvez aussi changer à tout moment. Ok, là, je dois mettre le mot de passe. Et après avoir choisi votre mot de passe, on va descendre en bas, on va descendre ici au niveau de la langue pour choisir votre langue. Moi, je laisse en français, hein, c'est mieux, hein. Ici, on va choisir maintenant un thème. Tu peux aussi changer le thème à tout moment, ok? Après avoir choisi votre thème, et maintenant, je dois maintenant lancer l'installation en cliquant ici sur installation. Je dois cliquer là. Ok. Ici, on me dit félicitations. Le logiciel a été installé avec succès. WordPress a été installé avec succès à mamachineacafé.com. Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est notre lien de site. Je dois maintenant ouvrir ça dans une nouvelle onglet pour voir d'abord de quoi ça va représenter. Et si on retourne ici dans Softakilus ici, vous voyez que ça c'est l'URL du panneau d'administration. C'est ici que tout va se passer, hein. Si tu veux par exemple changer quelque chose ou ajouter des articles, ton URL administrateur. Donc c'est par là que tu vas modifier les choses. Mais pour vous montrer aussi, je peux aussi ouvrir dans une nouvelle onglet, hein. Donc je fais un clic droit, ouvrir les liens d'administration dans un nouvel onglet. Voilà. Ok, nous voici sur notre tableau de bord WordPress. Vous voyez de quoi ressemblerait votre tableau de bord WordPress. Et ici, la première des choses qu'on va faire, on va d'abord changer les thèmes, ok? Et pour ce faire, on va venir sur Apparence et on vient cliquer sur Thème. Ici, on a des thèmes qui se présentent à nous. Vous voyez, ça, c'est le thème de mon site que j'avais changé au départ. Maintenant, supposons que je vais choisir ce thème-là ou soit celle-là. Mais ce que je dois faire, c'est tout simplement appuyer sur Activer ici. Maintenant, si je viens ici dans mon site et je dois actualiser la page. Là, maintenant, vous avez compris comment changer un thème. Maintenant, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs thèmes que vous pouvez choisir. Mais pour ce faire, vous allez venir cliquer ici sur Ajouter ici. On vous présentera beaucoup de thèmes que vous allez choisir. Ça dépend de votre activité, hein. Mais pour la formation, je serai plus bref. Il y en a beaucoup, beaucoup de thèmes qui se présenteront à vous. Bon, moi, personnellement, si je vais faire l'affiliation Amazon, parce que l'affiliation Amazon, moi, je vous recommande d'utiliser les thèmes, j'ai oublié les noms. Voilà, Schema Light, ok? Et on va d'abord chercher les thèmes Schema Light. Donc, c'est les thèmes qui passent bien avec l'affiliation Amazon, hein. Schema Light.
je vous recommande de choisir un thème Schema Ledge parce que c'est un thème qui est vraiment adapté avec l'affiliation Amazon et je vous recommande vivement. Vous voyez, donc c'est là déjà, je prends ce thème là, je dois installer. Après avoir installé, je dois encore activer. On appuie sur activer ici. Voilà. Et si je reviens ici dans mon site et je dois maintenant actualiser la page pour voir de quoi représentera notre nouveau thème. Voilà, vous voyez de quoi représente notre nouveau thème. Ça c'est mieux, moi j'aime ça. Hein. Une fois qu'on a déjà choisi notre thème, et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de rédiger les articles sur notre site, ok? Alors pour ce faire, on vient ici dans articles ici, et on va maintenant appuyer sur tous les articles ici pour modifier un peu. Hein. Voilà. Ici, on peut tout modifier les articles comme ici dans notre site, le bonjour, bonjour le monde ici, on peut modifier, on peut même ajouter les articles, hein. Donc vous pouvez vous amuser pour que votre site soit bon. Bienvenue dans l'éditeur des blocs, donc ici on fait suivant, ici on fait suivant, premier pas, voilà. C'est ici que tout va se passer. Quand je dois maintenant par exemple écrire mon avis sur les meilleures machines à café. On va maintenant passer à l'étape suivante. On va aller maintenant créer un compte Amazon partenaire. Parce que sans Amazon partenaire, on ne peut pas faire l'affiliation Amazon, ok? Je dois maintenant écrire Club partenaire Amazon. Que je dois cliquer dessus. Voilà. Recommander des produits, obtenir des rémunérations. Pour comprendre de quoi consiste l'affiliation Amazon. L'un des programmes marketing partenaires les plus importants au monde. Le programme Club Partenaire Amazon vise à aider les créateurs de contenu, éditeurs et blogueurs à monétiser leur trafic. Nos partenaires sélectionnent des produits et des programmes à recommander parmi les milliers d'articles disponibles sur Amazon. Rejoignez des milliers de créateurs, éditeurs et blogueurs bénéficiant des commissions grâce au programme Club Partenaire Amazon. Gagnez jusqu'à 12% du prix des ventes en rémunération sur les achats et le programme éligible, nos taux de conversion compétitive. Ici, si vous n'avez pas un compte, vous allez maintenant cliquer sur s'inscrire ici. Si vous avez déjà un compte que vous avez déjà créé avant, vous allez maintenant cliquer sur se connecter. On va maintenant cliquer sur s'inscrire ici. On va revenir dans WordPress juste après, ok? On va cliquer là. On va renseigner votre adresse email, les mots de passe et on va maintenant confirmer les mots de passe pour créer le compte. Alors pour ce faire, je dois renseigner mon nom et ici je dois mettre mon adresse email. Et je dois maintenant créer un mot de passe. Je dois confirmer le mot de passe. Et je dois appuyer sur créer votre compte Amazon. Voilà. Je dois cliquer sur pas maintenant. De toute façon, je dois mettre même après. Vous allez remplir vos informations comme énumérées dans votre carte d'identité. Il faut mettre vos vraies informations. Comme ici, moi j'ai mis mon adresse personnelle. J'ai mis ma ville, j'ai mis mon quartier, mon code postal, le pays où je vis et mon numéro de téléphone. Et ici maintenant, pour les besoins de l'administration fiscale américaine, êtes-vous citoyen américain? Donc moi, je ne suis pas américain, donc je dois cocher non. Et je dois aller appuyer sur suivant. Ici maintenant, on vous demande de mettre votre site internet. Liste des sites internet et applications mobiles. Donc pour moi, on va maintenant aller prendre les noms du domaine de notre site, c'est ma machine à café. On va revenir ici dans ma machine à café. Voilà, on va copier ma machine à café. On fait un clic droit, on va le copier. On va revenir sur le club partenaire Amazon ici. Et ici, on nous demande entrer votre ou vos sites internet. Je dois mettre mon site internet ici. Voilà. Dès qu'on va ramener les clients vers Amazon, Amazon va maintenant savoir que c'est ma machine à café qui a ramené les clients pour acheter les produits. Et par là qu'on va toucher la commission. Et on va appuyer sur ajouter. Et on va encore venir appuyer sur suivant. Veuillez lire ces inscriptions avant de remplir ces formulaires, ok? Ici, on nous demande de créer notre ID partenaire. Bon, vu que c'est mon site, c'est moi qui vais devenir partenaire à Amazon.
je dois maintenant mettre mon nom. Vous allez mettre votre ID, votre prénom, soit votre nom. Dans mon cas, je dois mettre Lévis Ebouma. Et je dois descendre en bas ici. Ici, on me demande à quoi servent vos sites internet ou applications mobiles. Bon, moi par exemple, je dois écrire mon site internet a été créé pour aider les internautes à réussir leur choix de meilleure machine à café. Donc ici, on me demande lesquels sujets suivants décrit le mieux vos sites internet ou applications mobiles. Donc par ici, tu vas choisir. Moi, vu que c'est une machine à café, je dois descendre en bas pour choisir maison, animal, cuisine. Ok, je dois cocher là. Quel type d'article Amazon avez-vous l'intention de mettre en avant sur vos sites internet ou applications mobiles? Bon, vu que c'est une machine à café, c'est un produit maison qui aide les gens à bien faire leurs tasses. Donc ici, je dois choisir. Je vais mettre dans la catégorie maison, jardin. Ok? Quelle catégorie décrit le mieux vos sites internet ou applications mobiles? Je dois choisir site de contenu niche. Et ici maintenant, on nous demande trafic et monétisation. Et quelle méthode utilisez-vous pour vous générer du trafic sur votre site internet? Lien sponsorisé sur moteur de recherche. C'est un référencement naturel. On va choisir le SEO. Et ici, on nous demande encore comment utilisez-vous vos sites internet et applications pour générer des revenus. Nous, on va choisir le club partenaire est mon unique moyen de monétisation. Ok? Pour monétiser mon site internet. Comment baptisez-vous des liens? Éditeur HTML, éditeur de blog, éditeur de texte. Ici, moi, je dois choisir éditeur de blog, donc je dois cocher là. Ici, on me demande combien de visiteurs uniques seront sur vos sites internet et applications mobiles chaque mois. Pour un débit, je dois d'abord cocher moins de 500 parce que je viens à peine de commencer sur les noms de domaine là, ma machine à café, donc moins de 500. Et quelle est la raison principale qui vous pousse à participer au programme par Amazon.fr? Ici, moi, je dois cocher monétiser mon site internet. Comment avez-vous entendu parler de nous? Bon, ici, moi, je dois choisir bouche à l'oreille. En tapant les caractères qui s'affichent dans les chats, vous aidez Amazon à bloquer les envois de formulaires automatisés. Cela nous permet de lutter contre la fraude et les abus et de continuer à fournir un service de haute qualité à tous nos clients. Ici, on nous demande de remplir ces CAPTCHA ici. MS36R8. Ok, je dois faire suivant. Et voilà. Okay. Ici, à ce niveau, dans cette page, vous avez déjà créé votre compte Amazon partenaire. Comme ici, on dit, félicitations Lévis Ebouma. Merci pour votre candidature au programme partenaire d'Amazon.fr. Voyez mon identifiant là, Lévis Ebouma-21. Ça, c'est mon identifiant. Donc, si par exemple, je viens ici sur Amazon et je dois taper Amazon.fr, je dois vous montrer. Vous voyez que la barre d'outils partenaires est déjà affichée ici. On peut avoir un lien d'affiliation. Donc, je dois cliquer sur le produit par exemple. Et comme le produit là par exemple, c'est un produit machine à café. Si je viens appuyer sur texte ici. Voilà, vous voyez que ça c'est mon lien. Lévis, vous voyez, ça c'est mon nom. Voilà. Ok, une fois qu'on a déjà créé un compte club partenaire Amazon, on va maintenant aller commencer à rédiger les articles et mettre les produits sur notre site internet Ma Machine à Café. On va revenir ici dans Ma Machine à Café, vous voyez de quoi représente notre site internet. Et par là, vous allez maintenant commencer à rédiger les articles. Je vais vous montrer un petit peu en détail comment ça se passe pour rédiger des bons articles. Mon avis sur les meilleures machines à café, je mets par exemple deux points ici. Mon avis sur les meilleures machines à café à grains, machines à café broyées dont je fais patati patata. Donc vous allez maintenant commencer à rédiger les articles. Vous venez encore ici, donne de la valeur. Ou soit les avantages, fais en sorte que ça soit les bons articles. Vous pouvez aussi faire des copier-coller, mais intelligemment, avec la photo, avec les liens affiliation. Je dois vous montrer étape par étape tout à l'heure. Et après, je dois mettre les liens affiliés qui va rediriger les gens vers Amazon. Donc, c'est comme ça que nous rédigeons les articles.
Je peux par exemple décrire les 5 meilleures machines à café qui existent sur Amazon. Ok? Donc c'est comme ça que je dois commencer à rédiger les articles. Ces articles décrivent les 5 meilleures machines à café qui existent sur le marché et blablabla. Donc tu vas commencer à rédiger les articles par rapport aux machines à café et tu vas maintenant donner les avantages et les désavantages et tout ce qui contient dans la machine à café pour pousser les gens à cliquer sur ton lien et qui va les rediriger vers Amazon. Et là, vous pouvez maintenant insérer les images sur le site. Quand on parle d'une machine à café, on va certainement voir la machine à café en question. Donc pour ce faire, on va revenir ici sur Amazon et on va cliquer par exemple sur l'image comme ça. On va faire un clic droit comme ça. On va enregistrer l'image sous. Je dois mettre ça sur mon bureau et je dois enregistrer comme ça. Ok, après avoir téléchargé l'image sur Amazon, on va revenir ici sur notre site. Et on va coller la photo qu'on avait téléchargée sur Amazon dans notre site. Et pour ce faire, on va venir cliquer sur plus ici en haut à gauche. On va cliquer là. Et on va maintenant chercher médias ici. On va cliquer sur images. Et on va maintenant cliquer sur téléverser. Mais je dois cocher sur l'image et je dois maintenant appuyer sur ouvrir. Vous pouvez tout modifier, hein. Vous pouvez tout modifier, diminuer la taille, tout ça là et machin. Donc c'est comme ça que nous faisons pour commencer les articles. Vous pouvez faire comme la taille, elle est trop grosse. On va maintenant diminuer la taille. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Ou soit mettre les liens et prendre les liens d'affiliation ici. On doit venir sur texte. On va maintenant faire un clic droit et on va copier les liens. On va revenir dans notre site. Dans cette chaîne, on va appuyer là. Et on va maintenant coller ici. Voilà. On va coller ici. On va maintenant appuyer sur entrée. Toi, tu vas maintenant appuyer sur mettre à jour ici en haut à droite. Tu vas appuyer là. Si on vient par exemple voir l'article ici. Ok, vous voyez de quoi représente. Donc, comme on a vu, c'est les meilleures machines à café. Donc, ça commence à prendre forme, hein, notre site internet. Si tu as aimé, partagez autour de toi. Ok, mettez-moi tout dans les commentaires au cas où. Et à la prochaine fois, allez, peace out.